Bonjour et bienvenue dans cette capsule pédagogique. Nous allons nous intéresser au rôle du chef d'orchestre. Alors pour cela, nous allons regarder une vidéo où tu entendras un extrait de l'ouverture de l'opéra La Forza del Destino, composé par Giuseppe Verdi. Ça veut dire La Force du Destin en français. On va se concentrer sur le monsieur que tu vois en photo et qui s'appelle Riccardo Muti et qui est donc un très grand chef d'orchestre italien. Ouais, magnifique. Alors, pourquoi gesticule-t-il autant? C'est parce qu'il vit sa musique, évidemment. On va pouvoir répondre à la question à quoi sert le chef d'orchestre? Il donne plusieurs indications aux musiciens. Déjà, il donne le tempo en battant la mesure. Alors, pour rappel, le tempo, c'est la vitesse de la musique. Et battre la mesure, c'est les gestes qu'il effectue avec un code assez précis, mais ça, on le verra plus tôt en classe. Alors tu as vu que pour ça, il utilisait une baguette. Certains chefs utilisent plutôt des crayons, d'autres leurs mains. Mais en général, on utilise une baguette, comme c'est le cas ici avec Riccardo Muti. Ensuite, il va donner les départs aux différents instruments. Comme tu as pu t'en rendre compte, on n'est pas toujours dans un tutti, c'est-à-dire tout l'orchestre ne joue pas tout le temps en même temps. Il va des fois donner les indications à certains pupitres, certains musiciens, quand ce sera leur partie individuelle ou collective, et puis donc à l'ensemble aussi de l'orchestre. Il va indiquer les nuances, pareil, là le vocabulaire tu le connais, on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça, hein, et donc ben, plus ces gestes vont être grands, ben, plus les musiciens vont jouer fort, et inversement, plus ces gestes vont être petits, et plus l'orchestre va jouer doucement. Alors, avec toutes ces indications, on dit qu'il dirige l'orchestre. Le chef d'orchestre, il faut le voir comme un musicien. Et son instrument, c'est l'orchestre. Et les musiciens de l'orchestre, des différents pupitres, vont suivre ses indications pour respecter ses intentions d'interprétation. Voilà. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!